Nous avons la responsable du groupe de la compagnie de Dance Liberty. Avec nous, nous avons Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour tout le monde. Alors, ce n'est pas une tâche trop importante pour toi de faire... Alors, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous un peu comme responsable. Je demande toujours de l'argent. Non, on rigole là. Mais dis-moi un peu, je veux dire sérieusement, quelle est la tâche? Tu nous habilles. Ben, je prends des cotisations, je m'occupe d'elles, je les maquille, je les habille. On les motive. Et voilà. Et l'équipe de cette année, elle est bonne? Très bonne. Elle très déchire, bonne. Comme d'hab. Après, on va faire un peu les présentations de chacun de vous. Alors, dis-nous un peu, comment on fait pour rentrer dans la compagnie? On n'accepte plus personne. Il faut avoir les bases. Et avoir un bon niveau. Et donc, voilà. On passe un examen. Comment ça se passe exactement? On passe un casting. Alors, depuis quand existe Dance Liberty? Ben, on a fêté les 20 ans l'année passée, donc voilà. Plus 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Non, ça fait 20 déjà 30 ans que nous, on est dedans. Oui. Ah ouais, alors parmi nous, on a quand même une Miss Wallonie. Ouais. Tout à fait. Qui est avec nous. Oh, on 2006, vraiment... hein. 2006, mais tu es toujours aussi jolie. Alors dis-moi, Cynthia, pas trop dur, c'est une passion la danse pour toi? Oui, bah, complètement, c'est une passion. Bah, je pense que pour tout ici, c'est des passions, mais le fait d'enchaîner tout, bah, heureusement qu'on a ça malgré tout et qu'on a une bonne équipe parce que sinon, je pense une que... Une super bonne équipe. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut maintenant peut-être présenter un peu les membres? Tout le monde n'est pas là, donc l'équipe n'est pas son complet, mais voilà, on fera d'autres interviews par après. Moi, je suis la plus âgée, 40 ans, mardi prochain. Ah, donc on fait la grande fête alors. Voilà. Donc, Fabrice, donc, qui est là depuis aussi. Fabrice, depuis combien de temps, Fabrice? Moi, ça fait 17 ans, 18 ans. 17 ans, 18 ans. C'est vraiment une passion aussi pour toi, en danseur professionnel. Donc, nous avons Fabrice. Alors, ici, nous avons... 29 ans, exactement. Adèle. Adèle. 29 ans, la passion dans le sang. Dance Liberty. Dans la peau. Toujours. Voilà, c'est quoi qui vous plaît dans Dance Liberty? Le style, le... Le style, les copines surtout, c'est les ça copains. Qui fait qu'on lâche pas l'affaire. Il n'y a pas trop de tension parfois, parce que je veux dire, comme dans toute équipe, si, quand toute bonne équipe, il doit y avoir un peu, oui, un peu de stress. Hein, c'est le... La grosse pression. Alors, Cynthia. Enchantée. Moi, Giacomo. Moi, ça fait que 3 ans que je suis dans la compagnie. Et on se plaît bien, on s'amuse bien, quoi. C'est bon. Quoi. On continue. Moi, c'est Tania et c'est ma première année en compagnie. Une Miss peut-être aussi? Non. Non. Miss L'Oréal. Pas encore. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la compagnie? Un an. Un an. Aurore, ça fait 3 ans que je suis 3 ans et demi que je suis dans la compagnie. Et la deuxième mamie, parce que j'ai aussi 37 ans, donc voilà. Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a absolument pas d'âge. Que c'est, je veux pas dire, voilà. Juste une passion, ouais, c'est tout. Une passion. Moi c'est Manon, je crois que je suis la plus jeune, j'ai 19 ans et c'est ma première année en compagnie. Alors la première année en compagnie, c'est pas trop dur de s'insérer comme ça dans une compagnie qui existe, de prendre ses marques et de prendre sa place, parce que parfois on se fait manger, on se fait écraser par les professionnels qui sont là, non? C'est des exemples d'un côté, mais ça fait longtemps que je suis dans le club, donc je les connais quand même en gros tous, donc ça va. Et puis alors, la gracieuse, vraiment, enfin, elles sont toutes gracieuses et toutes, vraiment, parce que je crois que le succès de Dance Liberty, c'est aussi le succès de chacun de vous, et vous valez toutes, vraiment, la peine d'être vues, et tous, et je crois que vous êtes tous des professionnels, et je crois que c'est grâce à ça aussi que l'école fonctionne, c'est grâce à des personnes comme vous. Laurence, avec nous. Oui, moi, ça fait 12 ans que je suis dans la compagnie, et voilà, quoi. Voilà, donc en tout cas, tout grand merci à vous toutes. On vous retrouve quand? Le spectacle, c'est quand? Le 16 et 17 juin. Le 16 et 17 juin. Voilà. Il y aura des surprises? Qu'est-ce qu'il y a comme surprise? On dirait, il faut venir. On dirait, il faut venir. C'est pas encore complet, non? Non, il reste quelques places. Alors pour le samedi, le dimanche, c'est ça? Samedi à 2h, dimanche à 1h, je ne sais plus. Et samedi soir à 19h. Alors, donc on répète les dates parce que je... Samedi à 13h, donc samedi 16 à 13h, samedi 16 à 19h et dimanche 17 à 14h. Voilà. Alors Sylvie, peut-être dévoiler un petit secret, même pas rien du tout, on ne sait pas sur quoi vous allez danser, on ne sait pas les vêtements. Il faut venir payer sa place. Ah oui, donc c'est tante Picsou, là je pense que c'est. En tout cas, un tout grand merci. Ben, toi aussi, vous pouvez, je ne sais pas, moi faire un cri de guerre pour Dance Liberty, enfin, je sais pas ce que vous faites. Ouais. Au revoir.